secteur de l'Union des étudiants communistes de la fac de Versailles. À côté de ça, je travaille et je suis animatrice dans une structure qui accueille des personnes en situation de handicap mental. Donc je travaille tous les samedis pour essayer de subvenir à mes besoins, payer mon loyer et voilà. Alors tu es étudiant, je suppose que en ce moment tu as une préoccupation sociale, c'est la loi Egalim, c'est ton estimation de tout le monde. Ouais. Oui, dès l'annonce de ce projet de loi, on s'est énormément mobilisé. Est-ce que tu te reconnais sur la fac, donc je me reconnais. Ah, pardon. Excuse-moi. Est-ce que tu peux dire la loi El Khomri, pas la loi, parce que les questions, on n'a pas répondu. D'accord, pas. Ok. Oui, donc on s'est dernièrement, donc à l'annonce du projet de loi de travail de la loi El Khomri, on s'est tout de suite mobilisé, également avec l'UNEF, afin de contrer voilà, ce projet de loi, de montrer que la jeunesse est opposée, fermement opposée à ce projet de loi qui n'est rien d'autre qu'un projet extrêmement régressiste, qui fait une croix sur tous nos acquis, tous les acquis sociaux qu'on a pu gagner jusqu'alors. Et du coup, on s'est extrêmement mobilisé, donc à la fois pour dire non à cette loi, mais aussi pour montrer au gouvernement que la jeunesse, notamment la jeunesse communiste, avait des propositions, qu'elle ne se contentait pas d'être contre ce projet de loi, mais qu'on avait aussi des aspirations à faire entendre, comme le projet qu'on porte aussi avec l'UEC, qui est le statut social de la jeunesse, l'encadrement des stages, le cadrage national des diplômes. Pour voilà, montrer, on est contre cette loi, mais on a des propositions pour faire avancer le pays dans le sens du progrès. On a gagné des choses, le gouvernement voudrait nous faire croire qu'on a gagné des choses. Ils sont venus sur certains points de la loi, comme les apprentis mineurs, qui ne pourront finalement pas travailler 40 heures, je ne sais plus combien d'heures par semaine. Donc ils sont revenus là-dessus. On a gagné le... Je ne sais plus comment ça s'appelle pour la jeunesse, voire 400 euros par mois. Mais enfin, pour nous, en tout cas, jeunes communistes, c'est juste un peu nous passer la pommade, dire on vous a entendu, on fait ça pour vous, mais personne ne peut décemment vivre avec 400 euros par mois. Et c'est très compliqué aujourd'hui pour un jeune d'acquérir cette aide, parce que pour ça, il faudrait qu'il y ait des clubs de prévention qui puissent aller vers les jeunes pour leur proposer. Or, ils sont en train de fermer tous les clubs de prévention. Donc c'est un non-sens total que d'offrir quelque chose alors qu'on ne sera pas en mesure de l'appliquer et que c'est pas viable. Oula, je rêve de quoi? J'ai pas mal de rêves. J'ai envie que le parti retrouve un peu... fasse des projets pour retrouver sa grandeur. Le grand parti qu'il était avant, par exemple en 36, qui soit représentant du peuple, qui soit à l'écoute du peuple, comme là il a su le faire avec la grande consultation citoyenne. Qu'ils se mettent aussi, je dirais, au niveau du peuple, qu'ils sachent se faire entendre, qu'ils sachent être présents partout et voilà, représenter toujours plus le peuple et les citoyens. Et ben, ça a été parfait.